extermination là où il disait mais c'est le cousin de Jérémy. Parce qu'à un moment il y a Deitman, et à un moment il fait mais c'est qui le jeu connu, c'est le cousin de Jérémy. Il sort ça, on était pété de rue, il s'est cassé, il était mort de rire. Non, Deitman c'est pas Et tu l'as sorti dans Resident Evil 6. C'est mon frère. Hein, il a modifié un dialogue rien que pour mettre cette phrase. Est-ce que tu es le cousin de Jérémy? Juste parce qu'il voulait. En fait ça filme. Bonjour! Ah, t'inquiète, je savais, hein. Oui, moi aussi, je savais, évidemment. On peut le refaire. Bonjour, les gens! Allez, installez-vous. Déjà fait. Bon, d'accord. Je vais être gentil. Ah, parce que là, la lumière, là, c'est... Fait trop beau aujourd'hui, il faut que ça refasse remoche. Je me dis, c'est cher. C'est cher. Sur tous leurs verres, sauf moi. Moi, j'ai ma gourde. T'as vu une bouteille d'eau, là, hein? Level 1, c'est une gourde, mais... C'est une bouteille level 1, moi je suis level 10, j'ai débloqué le Pepsi, moi. Ouh, fait chaud. Alors, oui, tu l'as déjà dit. La première question, j'en ai 12, de machin, là. Jérémy. Ouais, enchanté, c'est bien, présente-toi. Je suis Jérémy. Je suis Jérémy. On dirait un peu Guy Juju. À quand un let's play sur Uncharted 3? Une soluce en gros. Oui, Un jour, mais il faudrait déjà que je termine le premier. Je veux faire le... Oui, je sais, je fais le deuxième, ensuite le premier, ensuite le troisième, mais... Normal. Tu fais du... Mais c'est pas le jeu le plus improbable que je fasse tu en soluce. Le plus mauvais au mieux, je sais pas. Il y a des jeux que je me dis, je pense que je les ferai jamais. Comme Final Fantasy 13. Les jeux très longs comme ça, ouais. Ah bah c'est chaud quand même. Moi j'en vois, il y en a qui ont plus de... Skyrim, c'est ça le pire. Hein. Bob Lennon, il va être à 400 vidéos. Non, mais Skyrim... D'une heure chacune. Bon, faut dire qu'il faut border pas mal à chaque fois. Donc, non, c'est bon, avec Skyrim, dans 10 ans, je l'ai pas fini, celui-ci. Mais il est pas... Je suis vieux, je suis enfin sorti. Enfin, il faut pas vraiment être fini, après. Ouais, à 70 ans, Bob Lennon n'aura toujours pas terminé. Bon, allez, la deuxième question... Arnaud Bijout joue Dilou. Ah ouais, c'est bon. Je me rappelle pourquoi il aime ça. Je vais laisser Stevie répondre. Ah ben. Allez, Steve, nous t'attendons. Oui, je l'accorde. Akshlibidabadou. Yotla. Mais comment as-tu Kamoucha. Ce n'est pas vrai. Chamouka. Arrêtez de dire ça, c'est raciste. Ça veut rien dire. Alors, la musique d'intro, c'est quoi? Heureusement que j'ai fait avec la bonne orthographe dans le truc. Oui, je sais. Alors, celle de Deadpool, c'est Party Time, normalement, du jeu en lui-même. Je prends généralement des musiques du jeu en lui-même. Sauf si j'arrive vraiment pas à trouver, mais ça, faut que ce soit des tout petits jeux. Je peux vous la faire écouter! Si l'ordi veut bien se réveiller... Ça rime! Ah! Ouais. Oui, Steve avait prévenu. Je fais des bruits. Si je sortais mon petit juju sacré. Ah, c'est là. Ah, bien. Hein. Ouais, bon, ça c'est. En bon, plus, on l'entend un moment dans le jeu. Ah, je quand il y a la fête. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est quand il y a Dexa qui a un dollar dessus. Ouais, voilà. Le costume de rappeur, comme j'avais souligné dans la première vidéo, parce que des fois. Tu peux le voir changer de costume dans le menu et l'une des tenues, ben c'est. Mon moment préféré, c'est quand il gifle Wolverine. Ouais. On va encore gifler, gentil. Il a au moins giflé 30 fois. Ouais, ça dépend si je vois la appuyer sur X 30 fois. Moi, oui. Ouais, je l'ai giflé. Quel est ton jeu rétro préféré? Oui! Attends, je vais essayer. C'est aussi mon jeu préféré. Alors, t'es là? Non. Ah, non, t'es là. Mais où es-tu? Argumenter en attendant. Il fait très chaud. Et... il fait des gribasses pendant que l'autre il raconte la météo. Il y a des gens bizarres ici. C'est Steve. Hein? Oui, c'est Steve. Que fais-tu ici? Steve! Mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est ta faute. Je sais pas pourquoi. Un truc. Ah, il est là! Il est là! Viens, Jérémy! Qu'est-ce donc? Tiens, présente-le.
Ah ouais. Oui, parce que maintenant la GameCube est un jeu rétro depuis que. Oui, j'avais déjà vu. Depuis que la nouvelle génération de consoles est arrivée, tout ce qui est GameCube, Xbox première et PlayStation 2 est rétro maintenant. Ouais. Ça m'en prend mon prof d'allemand à la fin de l'année. Le mec il prenait une bouteille, il était devant les profs et quand ça que le jus d'orange. Mec, je recommande. Et toi, c'est quoi ton jeu rétro préféré? Mon jeu rétro préféré. Alors. Il était où? Attends, laisse-moi. Oh, mon jeu rétro préféré, franchement. Oui, j'ai une grande ici. Bah, pour l'instant, ça reste Final Fantasy. Frankenfield. Bah, le vieux jeu. Fait bourriner les boutons comme un bâtard. Normal. Dead Space. Ça, c'était un bon jeu. Sur quelle console? Xbox. Quelle Xbox? 360. Mais c'est pas rétro ça. Mais c'est pas rétro mec. Il est sorti il y a 3 jours. Reviens en 2020. Là ce sera rétro peut-être. Non moi j'ai préféré franchement c'était... Rétro hein. Oui. Ouais moi c'était plutôt les Tekken. C'est pas Gun Gag? Ah Gun Gag oui sur PS1 oui. Oui Pareil moi j'ai préféré Social du PS1. Enfin moi j'avais aussi Chaste Express. C'était un jeu à peu près à Metal Gear mais je préférais plus ce jeu là que Metal Gear. Moi, tes jeux préférés, ça commence toujours par Metal Gear, Metal Slug. Metal Slug, oui, Metal Slug X aussi, ouais. J'ai vu. Metal God. c'est d'autres jeux, c'est pas rétro. Hein. Alors, ensuite, les questions de Steve. Voilà. C'est quand qu'on fait l'amour? T'as vraiment posé ça? Non, ça, t'étais pas là. C'était chez lui. Oui, je m'en doute que j'étais pas là. Non, c'était lui, mais je l'ai mis pour toi. Ah, connard! Oui, je m'en rappelle! J'avais oublié ça! Oui, c'est moi qui l'avais dit! Bon, pour répondre très simple. Non! Maintenant! Ah. Allez, c'est doucement! Chérie, Jake, allez faire ça sur le train avec l'eau du stade! C'est bizarre! Oui, quoi? Non, non! J'ai pas encore l'amour, moi! Vivement que j'ai des filles. Ah, il a pas encore des invités de en filles. Sarah, elle compte pas. Bah le jour où tu feras un Mario ou un truc comme ça. Parce que c'est pas avec un Resident Evil que tu vas. Quand je dis invité ici quoi, pas sur Skype ou autre comme ça. Ouais. Qu'on puisse la faire. Moi j'approuve pas du tout, hein, c'est lui. Tu perds, et ben tu t'as une punition. Ouais, c'est quand qu'on fait une soluce en cup de Gear of War. Jamais! Ça c'est toi. Non. Pourquoi tu les as achetés, pauvre con? Pour te troller à chaque fois que tu viens. En vrai, c'est pas la vraie affiche, c'est il a écrit Gears of War en papier. Ils se sont trompés dans l'orthographe Gear of War. Le mec l'achète déjà alors qu'il joue même pas. God of Gear of War. Non. Ok, j'ai pas envie de traduire. C'est quand que tu vas raser ta barbe avec du PQ? Je reviens. Des questions bizarres. C'est toi qui l'as mis celle-là, c'est Obi. Bah déjà, j'avais déjà dit. Ah, on l'appelle Maxime Moulin. C'est quand tu vas raser ta. Non, je le fais maintenant. Si tu arrives. Ah! Aide-moi! Faut que je rase! Ah, des gens bizarres! Merci. Oui, mais je rentre. De nouveau lui! Oh là. Steve, c'est fini, ouf! As-tu déjà fait une solo sur Call of Duty? Si oui, lequel? Call of Duty 2 Big Red. Oui, c'est bon, je vois. Présente-le aux gens. Ok, c'est Black Ops 2. Big Red 1. Franchement, on t'aime pas. Il peut aller vomir. C'est normal. Aïe. Moi perso, moi je suis pas fan des Call of. À part peut-être juste Black Ops 1 et 2, c'est tout. Moi j'aimais bien les vieux Call of parce que c'était des vraies guerres qui se sont passées quoi. Maintenant ouais. Black Ops 2, c'est pas des vraies guerres. Ou alors ils prédisent l'avenir.
Ça ferait peur. Par contre, les gars surpuissants qui sont capables de tuer 1000 ennemis durant le jeu à eux-mêmes, vu que leurs potes servent à rien, ouais, ça... ouais. À coup de coude. Et ça reste un soldat à la fin, hein. Tu sais, bien joué, t'as réussi la guerre. Ouais, ouais. Mais je te promue pas. Ouais. Et moi, je suis général, j'ai rien foutu de la guerre, salut. Je t'ai juste dit quoi faire, voilà. Ouais, pourtant, j'en ai tué un coup de coude, hein, des nazis, hein. Ouais, j'ai fait POUM POUM POUM. Je t'ai dit, le Falcon Punch, il avait mis dans une de ses vidéos le titre, là. Ouais, bon, ah oui, Falcon bon c'était plutôt Falcon Coud, là. Falcon Coud. Ah ouais, j'avais tracé en foutant des coups de coude à tous les ennemis, les nazis, Falcon Beat. J'espère que t'as mis la question que je pense. Il est ready. Trouves-tu que mon image est cool? Celle de YouTube. Je vous la montrerai à ce moment-là de la vidéo. Enfoiré. Alors, ouais, je la trouve cool, et toi? Lesquelles? La banane. Ah, la banane. D'accord. Donc, illustre la banane. Nous attendons. Non. Ton exposé. Oh, montre la banane épluchée. C'est mes profs qui m'ont envoyé, là. Hein, c'est pour l'histoire des arts. Allez, la banane. Montre ta banane. Montre ta banane. Montre ta banane. C'est plutôt gay. Oh, il y va. Oh, ouais. Et il y va vraiment. On se cache. Ouais. Oh, dommage. Je me mets en dessous du tapis, personne ne me verra. Ah, ça fait un an que je suis parti. Que ça en fait, vous, ça fait une seconde, moi, ça fait un an. J'ai eu le temps de voir la, la réaction. Oh. Il raconte de n'importe quoi. Je pensais que tu prenais ta question là. Steve est-il vraiment un homme? Eh ben justement, non. C'est chéri. Non. C'est un alien. Trisexculaire. Moi j'ai peur de ces aliens, je me tire. C'est un alien donc trisexgulaire. Ok. Trisexmulaire. Non, gulaire. Non, gulaire. T'as trois sexes. Hop, ouais, change de question. Hein. Quadruple sexe. Ouais. J'ai vu ça sur Skype hier. Il est médium aussi. Tu joues sur quelle avec console à Deadpool? Ouais, ça, pour une fois. Ça là là-bas. Voilà, c'est bon. Ah, il m'avait dit la PS3. Mais il est pas sur PS3 aussi, non? Oui, mais je l'ai pas fait sur PS3. Voilà, oui. Alors que pourtant il a bien vu sur quelle console je l'ai fait. Oui, mais avec sa mémoire. Je sais que tu l'as fait sur Xbox. Steve, non, mais toi, qu'il y a quelque chose là-dedans. Je sais que tu l'as fait sur Xbox. Je demandais juste si t'étais aussi sur PS3. Mais en plus, j'aurais pu le savoir moi-même. Attends, laisse. Ta défense. Attends, juste deux secondes. Quoi? Non, effectivement, il n'y a pas de cerveau. Quel enfoiré. Quel enfoiré. As-tu le jeu Road Trooper sur Wii? Road Trooper? Quoi? Road Trooper. Je sais plus si c'est un D ou un T, je m'en rappelle plus, j'ai plus le jeu. C'est quoi? Ah bah ça veut dire que tu l'as pas. Non. Ben moi j'ai pas. C'était un jeu assez sympa sur Wii. C'était genre un Call of mais à la troisième personne. Attends. Bien compliqué. Au revoir. Tadam n'importe. Au revoir. Bon, je vous laisse le mot de la fin de la FAQ. On se voit prochainement pour d'autres FAQ. Quoi? Ah ah! Chasme! 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 Du 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 du